Le seul candidat à vouloir s'opposer à Vladimir Poutine a été rejeté. Pour les Russes, la question se pose, est-ce qu'il y aura une alternative à Poutine? Pour parler des élections en Russie, Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, est avec nous. Merci, Guillaume. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, le seul candidat a été rejeté. Bien, il y en a d'autres, mais celui-là semblait avoir un peu de vent dans les voiles. C'est surtout qu'il a commis un impair très grave au plan politique, c'est-à-dire que, par exemple, la guerre en Ukraine est une erreur colossale, qu'il faudrait un peu nettoyer les mœurs. Bref, il devrait, même s'il vient d'être exclu de la possibilité d'être candidat, bon, il pourrait faire appel à divers tribunaux, mais comme tout ça est contrôlé par Vladimir Poutine, on lui souhaite bonne chance. Mais il est peut-être un peu chanceux, parce que les autres qui ont été des candidats un peu gênants ont soit glissé par hasard du sixième étage d'un hôpital ou sinon se sont retrouvés en prison. Alors, de se faire refuser la candidature, c'est peut-être la moins pire de toutes les possibilités. J'aime votre « par hasard ». Alors, est-ce que vous diriez, Guillaume, qu'il n'y a aucun doute sur l'élection de Poutine? Il n'y a aucune espèce de doute. Vladimir Poutine, et c'est à la mi-mars, il va être candidat et il sera élu. La question, c'est pas pourquoi est-ce que Vladimir Poutine, dans le fond, pourquoi Vladimir Poutine, qui est sûr d'être élu, manœuvre autant pour être certain d'être élu, même si tout est arrangé avec le gars des vues? C'est parce que Vladimir Poutine, c'est plutôt le chef d'un État mafieux. Et ce qu'on ne va pas mesurer, c'est s'il gagne. On va vouloir mesurer dans la politique interne du régime, c'est est-ce qu'il va gagner avec difficulté. Et s'il gagnait avec difficulté, ça serait une démonstration de faiblesse à l'interne. Et ça, ça pourrait amener quelqu'un qui voudrait être calife à la place du calife. Alors là, ce qu'on veut, c'est verrouiller toutes les choses pour montrer que Vladimir Poutine est en contrôle de tout, même de sa réélection. Et lorsque vous parlez d'être en contrôle de tout, est-ce que vous avez été surpris du journaliste extrêmement connu aux États-Unis qui a été en Russie là, pour faire une entrevue avec, avec lui? Non, je n'étais pas très surpris. D'abord, le mot « journaliste » est passablement galvaudé quand on parle de Tucker Carlson. C'est un entrepreneur qui utilise une rhétorique bien particulière pour plaire à un public très particulier aussi, populiste, vraiment trumpiste, sans s'en cacher, qui s'en va faire un coup d'argent gigantesque en devenant essentiellement le porte-voix de tout ce que Vladimir Poutine veut dire à des gens qui soutiennent pas nécessairement les mêmes intérêts que la majorité des Américains ou plutôt l'intérêt national. Alors, pour Vladimir Poutine, c'était pas très stressant. C'est comme se faire interviewer par son porte-parole. Alors, il a réussi à passer son message. Et c'est pour ça que Vladimir Poutine, qui refuse toutes les entrevues des journalistes occidentaux, a accepté celle de M. Carlson. Oui, c'est ça. Et Vladimir Poutine peut ensuite dire aux Russes, vous voyez, même tel, je veux pas dire journaliste, là, animateur s'intéresse à nous ou à moi. Et déjà, les médias russes traitent M. Carlson comme une vedette. Par exemple, M. Carlson dit aux médias, à son public américain, il disait ça même quand il était à Fox News, que Vladimir Poutine, lui, lui avait jamais rien fait. Il s'en était pas pris à lui comme le président américain actuel ou comme le gouvernement actuel. Alors, on est toujours sur la ligne avec M. Carlson. On vient alimenter par des signaux particuliers cette idée que le gouvernement est contrôlé par des forces presque occultes, puis qu'à la fin, c'est un peu fort le café que M. Poutine puisse dire « Moi, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de négocier. Suffit qu'on m'appelle. » Alors, si c'était aussi simple que ça, c'est très facile de négocier avec Vladimir Poutine. Vous lui donnez tout ce qu'il demande. Et Guillaume, on voulait parler avec vous. Le sujet aujourd'hui du jour, c'est le Super Bowl. Aux États-Unis, normalement, le président accorde une entrevue à la télévision. Et c'est une entrevue, c'est un classique, c'est une entrevue importante. Mais Joe Biden a décliné. Pourquoi? Oui, c'est la deuxième année en ligne qu'il fait ça. Au point, depuis 2009, il y avait eu ça à chaque année. C'est une opportunité en or pour un président ou un chef politique parce que c'est la plus grosse audience télévisuelle de l'année aux États-Unis. Alors, c'est l'occasion d'une longue entrevue où les retombées médiatiques vont être énormes. Probablement que, vu que M. Biden a eu plusieurs problèmes, là, des fois il s'est trompé de mots, rien de ça n'est problématique en soi. Moi, je ne doute pas une seconde que Joe Biden ait toute sa tête. Il déparle. C'est un ancien bègue.
Il est plus frêle qu'avant, il a l'air très vieux et c'est son problème politique numéro un. Et lorsque ce rapport qui vient de dire que c'est un bon vieux monsieur qui perd la mémoire et en se défendant se trompe dans le nom du président de l'Égypte en l'imaginant le président du Mexique, on a probablement ici voulu limiter les risques en disant s'il n'y a pas d'entrevue, il n'y a pas de gain, mais il n'y a sûrement pas d'erreur à ce moment-ci, mais peut-être qu'une longue entrevue sans faute, c'est ce que M. Biden a besoin présentement. Guillaume Lavoie, toujours un plaisir. Merci beaucoup. Mon plaisir.